fight the world's greatest fighter! Training stage. Fight locale chosen. Who will emerge a champion? Fight! Allez, c'est le match entre Ken Bogard et Emersion. Ken Bogard 3-6. Allez, le hands-off. Alors, je connais pas du tout la teneur de ce match-up là. C'est un match-up où certainement il doit y avoir du zoning de la part de Emersion. Allez, le combo qui rentre. Alors Ken Bogard qui joue avec Kitano et Momi qui joue avec Emersion. Allez, il gère bien là Emersion. Allez, peut-être un petit coup d'arnaque là pour Ken Bogard. Et non, c'est la airshop encore une fois qui rentre. Et l'instant overhead qui passe. C'est très très dur, hein. Très très dur apparemment. Tu sautes, tu te prends une airshop. Tu zones, tu te prends une griffe. Donc match-up pas forcément évident pour Ken. Allez, le saut là peut-être. Condor Fire, allez, le Scarlett qui rentre. Scarlett encore une fois. Les doubles coups de griffe. Il a du mal à approcher là, Ken. Très très compliqué ce match. Le saut. Ah, c'est double touche là malheureusement pour Ken. Et Ken Bogard qui perd ce premier match, malheureusement. Et c'est son ami Kitano qui s'installe dorénavant. Kitano qui va devoir faire le taf. Are you ready? Fight! The fight has finally begun! Which one of the two? Allez, Emersion, Kitano. It doesn't get any more intense than this. Ça sera le button check. Les vainqueurs iront en demi-finale. Ça va être l'impartialité la plus totale. J'ai pris 100-0. Comme un bon gros sac. Bas moyen point. C'est indéfendable, je suis trop nul. Et c'est donc mon coéquipier Kitano qui va prendre la relève avec Honda. Il joue Honda depuis le 1. C'est la vie, hein. Ça serait à 2x, ça serait pas passé comme ça. Le match-up il est plus dégueulasse à 2x, mais pourtant je suis tout l'été griffes de l'éther. Je suis ton Honda à 2x aussi, un DVD. C'est bon, allez, c'est parti! Kitano contre Emersion. La joie de se faire griffer en rythme. Allez, Kitano, hein, faut pas le dingue. Joue pas le dingue. La couleur est importante, c'est vrai. Et les mecs, ils ont tellement joué Honda sur le truc que toutes les couleurs sont débloquées. Mais tente l'embrouille. Tente les sbrouffes. On n'a plus rien à foutre à ce stade-là. Allez. Kitano. Face à Emersion. Match de qualification pour les demi-finales du tournoi. Thomas Solo qui va débuter juste après. Et Thomas Solo qui va s'enchaîner vite. Très très vite. En élimination directe évidemment. Notre équipe n'a plus le droit à l'erreur. Emersion pour le moment contrôle
avec une griffe tout en zoning optimisée aux petits oignons. Allez, attention, avec son gros pied, il y a Whipper à pu y aller avec son moyen pied là-dessus. Et c'est vrai que son gros pied présente de gros avantages sur griffe. Il ne peut pas spécialement contrer ce genre d'attaque-là. Le tout, c'est de faire les jump-in à une bonne distance. Voilà, petit Doskoï, les seuls finalement qui sont safe lorsque t'as pas de barre de hex face à la méchante griffe. Doskoï petit prend bas moyen pied, bas moyen point, le décalage stand, petit point, bas moyen point. Très bien décalé du côté des Merchants, mais pour le moment, l'écart reste relativement stable. Et Kitano qui est très 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 prudent dans sa façon de jouer. Voilà, qu'est-ce que Doskoï dans la tentative d'overhead. Et Kitano qui est bien parti, juste Doskoï, juste ça. Et l'avantage d'énergie, tu t'en fous, tu campes. Il n'y a pas de raison d'attaquer. Ce gros pied, il a touché. Un petit piano, une poudre en grattage. Et il se replie, il a tenté un petit gros point pour essayer de casser le zoning de la griffe. Mais pour le moment, il est toujours bien. Kitano qui a plus que match-up, mais le Doskoï qui ne fait pas mouche. Et il va prendre le X-Flying Barcelone. Attention, il se retrouve dans le coin. Il fait wall jump immédiatement en sortant de coin. Et le push de Sumo Press à la relevé qui s'est immédiatement cassé. L'avantage est pris maintenant par un match-up dans ce round à la barre. Et Kitano qui va devoir obligatoirement attaquer. Alors attention, dès qu'il se relève, il n'a plus de terrain de basse, de charge basse. Il peut l'attaquer, mais évidemment, il attend ce moment-là pour finir avec l'air-shop limpé beaucoup de fois. Bon, Sumo Press placé avec le bat-point. Et Shonake, voilà. Avec la relevé, peut-être la fin de tour. C'est X-Flying. Il est quand même très très proche du coin. Mais la poutre, la pris eh bien l'égalité pour le moment. Kitano a pris ce stand million kick, maintenant il est en retard et ça va évidemment camper Emerson. Il reste 9 secondes au compteur, va l'attaquer dans la pique, le flip à des barbex, voilà, fait quelque chose. Shonage qui passe dans le backflip de la griffe, prochain moyen point, il a gagné, ah, il se fait gratter au time over. Kitano qui perd un peu 4 pixels de grattage ce premier round. Il a voulu chercher l'embrouille mais elle n'est pas là et il repart en position tant de Keshua lors de DVD.com. Elle est là. Qu'est-ce choisir de camper. Et le match qui prend maintenant une toute autre tournure parce qu'évidemment Kitano qui a utilisé beaucoup de barbe de X pour essayer d'embrouiller de loin son adversaire se retrouve maintenant en grosse manque de ressources. Impossible d'attaquer, du coup la griffe va même pas le chercher à aller l'attaquer, même pas. Voilà, Cosmic Spark avec le X-Character en juggle. Et le repli qui est là, par contre a pris son gros point, il prend souvent un second point. Dans tentative d'interception aérienne. Attention cela dit, parce qu'il attend beaucoup les sauts avec des air shots aussi. Un second point. Oh Shonage. La mise au sol est là. Alors quel embouille il va lui tenter. Valéex, le bâti point qui a cassé le saut vertical avec la main gros pied. L'avantage est maintenant repris par Kitano qui a tellement de barres de X, il ne peut plus savoir quoi en foutre. Dès qu'il appuie sur avant, tu fais X-Doskoï. Rien à battre, X-Doskoï. Bon bah, il a pris la chope ici. Là, donc, on se retrouve maintenant dans le camp. Voilà, X-Doskoï, rien à battre. Ça reprend l'avantage en gratte. Tu ne laisses pas avoir par ça. Voilà, X-Doskoï. Et le timer qui est en train de défiler. Avec encore un avant gros pied. Et dès que la distance est là, son gros pied qui a touché, le combo qui a paraté par Kitano, il va mettre avant gros pied. Et Kamen 0 du tel pour Emerson qui passe à la trou. Emerson qui s'en sort qui aime peut-être. Ah, elle a raté malheureusement le devant derrière. L'expérience du Marcel a fini par toucher. Et X-Doskoï qui rattrape. Ce soir, il y a un partout. Kitano qui reste encore avec quelques barres avec lui. Mais le match qui pour le moment tourne assez bien, on va dire plus ou moins en sa faveur, même s'il faut rester patient. Oui, de loin, juste pour impressionner. Il n'est pas du genre à piffer finalement les ex-Flying Barcelone à l'autre bout de l'écran. Emerson qui casse énormément sa charge quand on le voit bouger. Là, t'as l'impression qu'il a sa charge, mais beaucoup de fois, il appuie sur avant. Voilà, il essaie de se décaler, il essaie de provoquer les autres de l'adversaire. Très beau petit point avec encore plein de foot avant gros pied qui passe. Voilà, l'ex-Flying Barcelone, il est là, il sera arrière gros point en repli. Avec quasiment égalité à la barre de vue avec X-Doskoï qui a fait mouche. Il en reste plus beaucoup. Non, dès qu'elle a chopé très bien joué sur ce gros pied en 8. Alors qu'il va tenter une embrouille. Elle a tenté encore. Flying Barcelone devant derrière. L'avant gros pied qui finit pas. Et ce Doskoï, elle se fera pas punir finalement. Je sais pas s'il a fait le petit. Il semblait un peu rapide. Encore le cross qui est rentré. Avec le piano une poutre. Et décalage un petit point. D'achat en Shonage. Il a plus que le Kizem. A géré maintenant pour Kitano. X-Doskoï sur le Kizem. En option de s'électraté. Il en a rien à foutre. Kitano qui tente au-dessus de presse. Il s'est cassé par son vertical. Son HK. Pardon. De Merchon. Ça sent beau tout ça. Ça sent le 1 partout. Kitano qui est pour le moment toujours bien. Et qu'il y en a plein à foutre. Qui campe. X-Doskoï. Voilà. Bye bye. Bye bye. Hop là. Je recule. La passion. Tu veux récupérer ton masque. Tu le mets. Doskoï. Juste en gratte. Comme ça. Histoire de faire quelques petits dégâts de grattage assurés. Attention à l'Ultra 2. Cela dit. Bien Doskoï. Mais elle est là quand même. Et voilà. Kitano qui remet le compteur à 1 partout. Parfait Kitano. Ça c'est parfait. Pourquoi t'es pas allé en 1 hein. Pourquoi tu m'as fait tuer mon Tio? C'est de la faute de Kitano bien entendu. Kitano qui a très bien joué, très bien suggéré. Ça va être au tour de Momi maintenant de faire le match. Momi fait longue.
Romy qui a terminé 3ème de sa poule en solo. C'est-à-dire qu'il a perdu des matchs en poule. Ce qui veut dire qu'il est probablement prenable. Nos amis hollandais qui ont fait le déplacement. Oui, oui, complètement. Felong, bah Felong c'est chiant, mais Felong Ronda, bah, c'est ultra relou pour... C'est ultra relou pour Felong. Puis, va pas me sortir qu'il connaît pas le match-up Felong, parce que sinon je lui mets une patate. Il casse 600 Felong en France. Mais Momi, c'est un client. Et on va voir si justement, Yakitano va pouvoir arrêter ce client. Kitano contre Momi. C'est l'affiche ici. Que faire. Orochi Breaker, il n'y a pas d'embrouille, il y a un Breaker en garde. Et il va déguster du double boule, tout ultra. Il y a tellement un blast, je vois tellement bien passer à la webcam ce Kitano là. Tellement incroyable, les sons d'assises. Allez, le premier match qui peut encaisser. Et Erika a mis par Momi, qui prend quand même Sumo Press à la roll de rien à foutre finalement. Absolument rien à foutre Kitano, avec Kitsaku en garde, il badash et il se fait rattraper par l'Erika en option select. Encore une fois, Erika est passé, les cross-ups qui sont là. Il réussit quand même avec Bad Super, il a perdu pas mal d'énergie Kitano dans ce début de match où Momi a mis décidément les bouchées doubles. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé Kitano juste poser son jeu ni se reposer. Il a attaqué directement, très beau vague repos anti sauveur typo. C'est le genre de truc qui ne peut pas spécialement imposer et le whiff finish à l'avant gros pied dans le bas moyen point. Il faut mettre Doskoy là-dedans. Ah, voilà, évidemment, on s'est attiré avec Kitsaku sur arrière pour attirer le Doskoy. Il remet Erika là-dessus avec son moyen point qui a touché devant. Pour remettre encore Erika qui t'a mis en difficulté maintenant au sol, qui va prendre encore le Kizem, la garde les mêmes, le dragon décalé, il a tout la garde mais il n'a pas la déchoppe juste après ça, de retour à la présent et voilà, devant derrière qui ne sait pas, un match à la fin longue et 1-0 pour Momi. Sa presse a été envoyée en demi-finale du tournoi. Kitano qui doit tenir bon, voilà, c'est lui qui lance l'attaque en premier ici, avec encore un bas petit point qui a touché Counter Hit. Attention, je vais un petit gros point, on a vu qu'il punissait parfaitement avec le bas gros point de Felong. Peut-être tenter des sons en avance, je ne sais pas si c'est très très safe de faire ça. Bas petit point a été encore passé, et c'est puni par le bas petit point de Honda, avec le piano juste à suivre. Et finalement, ça n'avait pas tant de dégâts que ça pour la punition que c'est. Voilà, et encore une fois, il fait des récits à distance, avec que le bas petit point puisse pas toucher. Et avec Alex, ils vont pousser au coin, avec le bas trop, et cette option qu'il n'a toujours pas gardé. Voilà, avec Zansoy, au moins, il n'a pas de gardage possible. Avec la famille cassée par les deux mains et l'avant-gros pied qui est passé avec un nouveau reversal Reka. Alors je sais pas pourquoi il a pas continué ses Reka derrière son reversal Reka. Il en a juste mis un, égalité entre les deux adversaires à présent. Ah, Reka X, ça passe à Reka, il y avait l'ultra 2 là-dedans peut-être. C'est peut-être pas assez loin. Reka X qui pousse avec la super Reka en counter hit. Attention à la relever, c'est très important sur les points instantanément. Kitano il a raison parce qu'il avait loupé la tentative de contre medium kick à la relever. Mais les Reka sont quand même là. Et le gros par Reka vont gratter. Il y a l'ultra 2 là-dessus. Kitano tourne en difficulté. Kitano qui peut pas backdasher. Sur Erika, il y avait tellement d'Ultra 2 dans tous les sens. L'Ultra 2 qui est là pour faire peur, qui ne fait pas peur, qui ne sort pas. Et Kitano qui a très très bien joué. Félicitations à Momi et à Merchant qui sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi. GG. Le prochain match, Luffy Renegade face à Andreas et Ryan.